Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Dans l'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse. C'est l'histoire de Tom. C'est l'histoire de Lorenzo. C'est l'histoire d'Adèle. C'est l'histoire de Thomas. C'est l'histoire de Johan. C'est l'histoire de Léo. C'est l'histoire de Gabriel. C'est l'histoire d'Apolline. C'est l'histoire d'Hugo. C'est l'histoire de Yasmine. C'est l'histoire de Lilou. C'est l'histoire de Camille. C'est l'histoire de Louis. C'est l'histoire de Timothée. C'est l'histoire de Nora. C'est l'histoire de Brieux. C'est l'histoire de Gabin. C'est l'histoire de Marius. C'est l'histoire de Samuel. C'est l'histoire de Kélian. C'est l'histoire de Matisse. C'est l'histoire de Aurélie. C'est l'histoire de Camille. C'est l'histoire de Sacha. C'est l'histoire de Axel. C'est l'histoire d'Alex. C'est l'histoire de Lily Rose. Dans l'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse qui a fait un très long voyage. Comme Ulysse, je vais faire un long voyage en bateau. Je vais partir dans le nord de la Corse. Je pars en voyage, en famille, en voiture pour Maroc. On part pendant beaucoup de temps, une semaine environ. Je me suis perdue dans l'un des plus grands magasins d'Europe. À ce moment-là, j'ai cru ne plus jamais revoir mes parents. Comme Ulysse, il n'a pas revu sa famille pendant longtemps. La dyslexie nous rappelle le voyage d'Ulysse. On met du temps à accomplir nos actions. Par exemple, apprendre à faire nos lacets, parler et se faire comprendre par les autres. Parfois, on a l'impression d'aller moins vite que les autres. Comme Pénélope qui dit que le jour et découle la nuit. On avance lentement dans ce qu'on entreprend, mais on ne le fait pas volontairement, pareil à Pénélope. Un jour, il y a 3 ans, lorsque c'était mon anniversaire, et mon père nous déposait chez nous, et nous avons fait un accident, et ça fait penser à Ulysse et toutes ses aventures. Ulysse, lui aussi, a eu des accidents. La roue de la remorque est partie à cause d'un dos d'âne, donc nous avons eu peur, et mon père est parti chercher une personne, et cette personne était bienveillante, nous a aidés. Un jour, je rentrais de vacances, et on est tombé en panne à 50 mètres de la station essence environ. On a loué un camping-car une semaine et un logo frein est apparu sur le tableau de bord. Donc on s'est arrêté, mais il n'y avait rien. C'est le jour où j'étais en montagne quand soudain une immense tempête, des éclairs de partout surgissaient de nulle part. Ça faisait très peur. Un moment, on était dans les montagnes, on était en haut et une personne a touché mon chien par derrière sur la tête. Donc mon chien, surpris, se retourne et le mord. Ulysse, il a fait un voyage en mer. Un jour, j'ai pris le bateau et j'ai vu des dauphins, comme Ulysse face aux sirènes. Mon monstre marin à moi, c'est quand je me suis fait piquer par une méduse en mer. Comme Ulysse, j'ai vu des poissons, mais moi, c'était dans un aquarium. Quand j'étais petite, dans un aquarium, j'ai déjà caressé un petit requin et une raie, c'était tellement doux. J'étais en vacances à la mer et il y avait des vagues puissantes. Et je suis tombée dans l'eau, c'est comme Ulysse dans la mer. J'ai déjà vécu une tempête en mer comme Ulysse. J'étais en bateau sur une île bretonne. Au retour, le temps était très orageux. Le bateau prenait de grandes vagues et on a vu un éclair. Il faisait très froid. Comme Ulysse, j'étais sur un immense bateau dont le trajet dura un jour et une nuit. Pendant ce trajet, il y eut une tempête violente. Le vent pouvait me retenir, les pluies étaient des balles de fusil. J'ai survécu à ce voyage où la nuit était bleue pour arriver à destination Diamant. J'étais sur une île et nous repartons. Le retour fut mouvementé, des énormes vagues et de la pluie. Le bateau basculait et les vagues étaient énormes. Les vagues claquaient le bateau. Ça a duré longtemps. On était une vingtaine sur le bateau. C'était un bateau de pêche.
On a dû s'arrêter car le bateau était inondé. Un matin, on allait pêcher avec mon père, mon frère. La mer était déchaînée, le bateau bougeait dans tous les sens. J'ai failli tomber. Il y avait beaucoup de vent. Des vagues frappaient le bateau. Nous rentrions dedans. Un jour, j'ai fait du catamaran et il y avait une mini tempête. Et le catamaran faisait un mouvement curviligne et j'ai eu peur. Comme Ulysse, j'ai eu une mini tempête. En mer, même on a survécu. Il y a eu un tsunami qui a frappé le bateau, qui a cassé la voile. Mais non, je rigole, c'est un bobard. Je suis partie en bateau à deux, mais le problème sur le catamaran, il devait avoir 6 fils de fer et en restait plus que deux. On est vite rentré car une partie de bateau n'était plus stable. Ça ne ferait pas avoir la prochaine fois. Faire une crise d'angoisse, c'était comme dans une tempête en mer, se sentir submergé et couler. Ulysse a vécu plein d'aventures. Ulysse, il a dû faire des choix. Il a dû faire des choix. Comme Ulysse, j'ai eu un choix difficile à faire. J'ai dû choisir entre deux collèges. C'était comme Caribe de Scylla. J'ai eu un dilemme. Soit je jouais avec mon club de foot ou je visitais le Rosenborg. Et j'ai choisi de visiter le Rosenborg. Et malheureusement, mon club a perdu. Heureusement que c'était un match amical. Ma meilleure amie m'a dit de choisir entre elle et mon groupe d'amis. Comme dans Caribe de Scylla, Ulysse a dû faire un choix entre ces deux monstres et il a dû donc choisir Scylla car elle allait manger 6 hommes. Et Caribe, elle allait manger le bateau entier. Et moi, j'ai choisi mon groupe d'amis car je ne voulais pas d'une meilleure amie qui voulait me faire choisir entre des personnes que j'aime. Une de mes anciennes meilleures amies m'a demandé de dire qui était ma meilleure amie entre elle et une autre, qui étaient toutes les deux mes meilleures amies. Donc je n'ai rien répondu. C'était un dilemme. Le jour où j'ai dû choisir entre un beagle et un cocker, c'était dur car les deux étaient mignons. Avec leurs oreilles qui tombent, ça a été dur de choisir car je devais en laisser un, du coup je suis beagle. J'ai dû choisir entre un lapin et un chat pour mon animal de compagnie pour mon anniversaire. J'ai dû choisir entre des figurines en Lego et en gros construction de Lego. Ulysse, il a hésité à rentrer dans la grotte du cyclone. Un jour, j'étais au Mont-Saint-Michel. Et lorsque j'allais vers la mer, j'ai vu une petite grotte. Alors j'ai voulu aller à l'intérieur, mais j'ai hésité. Alors ça me fait penser lorsque Ulysse était sur l'île du Cyclope et qu'il a vu une grotte, il a hésité, mais il est quand même allé. Une fois, j'ai vu une grotte et j'ai hésité à aller dans la grotte comme Ulysse avec la grotte du Cyclope. J'ai été visiter une grotte en Dordogne comme Ulysse. Il y avait un côté mystérieux. J'étais fascinée mais en même temps apeurée. On a dû affronter des épreuves comme à un moment en marchant à quatre pattes pour passer. Il y avait des créatures monstrueuses, des araignées. Ulysse, il a été enfermé par le Cyclope. Tout comme Ulysse, mes parents et ma petite sœur ont été enfermés. Ulysse a été prisonnier de l'île Calypso et mes parents bloqués dans l'ascenseur. Moi, j'étais avec mon frère et on devait demander de l'aide, sauf qu'on était en Angleterre. Donc ça a été difficile. J'ai eu peur de demander aux Anglais de nous aider. Au final, on est tombé sur un Français, vieil et pompier, et c'était très long. Ulysse, il a combattu des monstres. Comme Ulysse, j'ai combattu un monstre et en fait, c'était mon petit frère. Ulysse, il a entendu le chant de sirène. Comme Circé, j'ai pu passer pour une méchante auprès de mes amis et j'aurais aimé qu'on me laisse une deuxième chance comme Circé. Moi, je me sens triste même si c'est de ma faute. J'aimerais vraiment qu'on me pardonne. Tout comme les sirènes, j'ai été amie avec une fille. Quand on est rentré au collège, je suis devenue son amie de rechange. Elle était mon amie avant, puis moins sympa après. Comme les sirènes, j'ai vu son autre visage. Ulysse, il est descendu aux enfers. La plupart de ma famille qui est décédée, dont le chat, comme Ulysse, qui a perdu ses compagnons. J'avais 3 chevaux, dont un où je pouvais monter dessus et que j'aimais beaucoup. Un jour, je l'ai retrouvé mort dans son pré. Du coup, j'étais très triste. C'est un peu comme la descente aux enfers. Mon cheval s'appelait Capri. Ulysse, il a été accueilli par Alcinous. Ulysse, il a été reçu dans des banquets.
C'est le jour où j'ai mangé un banquet comme Ulysse dans un bon restaurant. C'était une aventure superbe. Ulysse, il a fait des constructions ingénieuses. Une fois, quand j'ai construit un gros bâtiment en Lego, comme Ulysse a créé des inventions comme le cheval de Troie, c'était très admirable à la fin. Comme Ulysse, je suis allée dans un château, le plus haut château de France et presque de l'Europe. Bref, c'était très grand. Après de nombreuses difficultés, Ulysse, il est arrivé à Ithaque. Je rangeais pas ma chambre comme Ulysse quand il arriva jamais à Ithaque. C'était dur d'arriver à Ithaque et de ranger sa chambre. Déguisé en mendiant, les prétendants se sont moqués de lui à cause de son apparence. Deux filles se moquent de moi à cause de mes chaussures, car j'avais une attelle qui passait que dans mes chaussures de sport, comme Ulysse, les prétendants qui se moquent de lui. En CM2, pendant la récréation, on se moquait souvent de moi, c'est comme Ulysse qui se faisait moquer par les prétendants. Comme Ulysse, des gens se moquaient de moi. Quand j'avais 7 ans, quelqu'un s'est moqué de moi car j'avais une petite taille. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Ulysse, il a mené de nombreux combats. C'est le jour où mon frère s'est moqué de moi. Du coup, j'ai pris sa tête et je l'ai poussé dans sa pleurée. Une fois, mon frère m'a fait mal et ensuite, il s'est fait mal tout seul en tombant d'un lit. Comme Ulysse, une vengeance, j'ai joué contre Servon dans un match de foot et au match retour, on a gagné. Une fois, ma sœur m'avait dansé. Je l'ai balayée et après, elle avait un plâtre. Comme Ulysse, j'ai eu des combats. Ulysse, il a eu de nombreuses victoires. Ulysse, il a gagné au jeu du tir à l'arc. Comme pendant la guerre de Troie, j'ai connu une victoire. C'était pendant un match de foot. Ils ont essayé de nous impressionner. Au final, mon équipe a gagné. Et ils m'avaient menacé, mais on a gagné. C'est le jour où j'ai gagné 10 euros en ligne sur le lancer de dés. C'est comme Ulysse quand il gagne au tir à l'arc. Pendant les élections de délégués, j'ai été élue. J'ai gagné un jeu comme Ulysse pour le jeu du tir à l'arc. C'est le jour où j'ai gagné une compétition de foot, c'était il y a 3 ans, et en finale, j'ai gagné 3 ans. Comme Ulysse, j'ai eu des victoires. Un jour, j'ai gagné un jeu dans un parc et j'étais très content. Après la première semestre, nous avons eu un concours de dictée de mots contre les maisons. Après le concours, notre maison de Loupous a gagné contre les Oxus, les Ecos et les Samos. Ça m'a fait penser quand Ulysse devait gagner contre un jeu de tir à l'arc et puis il a gagné. Ulysse, il a demandé des signes aux dieux. De temps en temps, je marche sur le passage piéton et quand je regarde, je préfère marcher sur le blanc. Par contre, quand je ne regarde pas, je marche n'importe comment. C'est comme dans Ulysse, c'est une forme de stupéfaction. Super, comme c'est super. Superstition. Stition. Superstition. Je jouais au foot et quand il y avait un oiseau blanc qui passait, je gagnais. C'était comme un présage, comme Ulysse voit des présages. Comme Ulysse, j'ai une superstition. J'ai toujours le réflexe de me ronger les ongles car ça m'apaise et ça me déstresse. J'ai ça tout le temps. Ulysse, il a dû se cacher pour échapper à des menaces. Comme Ulysse, je me suis cachée de mes camarades pour gagner un cache-cache en changeant d'habit. J'ai mis ma capuche pour me cacher. Comme Ulysse, il s'est caché de ses mêmes camarades. Après 20 ans loin de chez lui, Ulysse retrouve enfin les siens. Ulysse a été reconnu par sa nourrice car il avait une cicatrice. Ulysse a été reconnu par Pénélope parce qu'il avait un souvenir commun. Ulysse a été reconnu par les autres par son caractère. On me reconnaît parce que j'aime la nourriture. Et toi,
Ma maman m'énerve parce qu'elle me demande « Hey, c'est qui ?» Je lui réponds « Oh, chut, tu m'énerves !» Puis mon papa dit « Ah, ça c'est Baptiste !» Et moi, on me reconnaît grâce à ça. Mon signe distinctif, c'est ma tache de naissance dans le dos. À mon trait de caractère, farceur, blagueur, gentil. J'aime bien chanter seule dans ma chambre. Quand je perds, je suis tellement mauvaise joueuse que je vais bouder ou alors je parle à personne pendant environ 15 minutes. Grâce à mon enjeu que j'ai sur le bras droit. J'ai une tache de naissance et je l'adore car elle ressemble à la Corse et même une fois on a passé une heure à essayer de l'effacer car on croyait que c'était une tache de chocolat. Au ski, on se reconnaissait avec nos casques car il y avait des lettres spéciales. Grâce à mes cicatrices sur le visage. Car je fais du 44. Une cicatrice que j'ai sur le torse. J'ai une cicatrice en bas de la bouche. Grâce à ma tête. Grâce à ma cicatrice sur le front. Car je suis tombée sur une plaque d'écran. Tout au long de son voyage, Athéna a aidé Ulysse. Une fois, ma famille et mes amis m'ont aidé de la chemin de la vie. Ça me fait penser à Ulysse quand Athéna l'a aidé. Comme Athéna qui protège Ulysse, moi je suis protégée par mes parents tous les jours, en me donnant de l'amour. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées comme ça. Ces personnes pleurent, puis je trouve des mots qui réconfortent et je leur fais des câlins. Lorsque je suis triste, ma chienne, elle vient pour me réconforter, pour que je joue avec elle. Je remercie Lilo et Louise car elles m'aident beaucoup le midi et même la journée car j'ai du bébé. Quand j'ai eu mon plâtre en CP, je remercie mes parents qui m'ont beaucoup aidée. Quand j'avais mon plâtre, tout le monde m'aidait. J'ai aidé ma tante à construire un meuble. Je me suis sentie heureuse d'être avec elle et aussi de construire avec elle. Mes parents m'aident et me protègent avec amour. Quand j'étais petit, je m'étais pris le mur. Je me suis ouvert le front, ici. Je me suis pris un vélo sur mon pied et j'ai beaucoup saigné. J'ai eu très peur. J'ai sauté et je me suis ouvert le menton. Quand j'ai eu une crise d'angoisse, Je faisais des tours d'oreiller. Mon père m'a dit arrête. J'ai continué, je suis montée sur la tour et je me suis pris le coin de la table et je me suis ouvert le front. J'ai foncé dans un mur. Je suis tombée et mon dos s'est rayé avec la pointe de mon lit. Je faisais du vélo et je suis tombée. Je me suis ouvert le front. Et ma mère m'a mis de la pommade. Et ma mère m'a aidée et m'a emmenée à l'hôpital. Je ne me sentais pas bien du tout et ma mère était là pour me réconforter. Mon père a dû aller à la pharmacie. Ma maman était là pour moi. Elle prenait des rendez-vous et elle me rassurait. Mes parents m'ont aidée. J'étais à l'hôpital. Comme Athéna qui aide Ulysse, moi, mes amis, elles m'aidaient quand j'avais eu mes plâtres. Elles me soutenaient, m'aidaient et je peux toujours compter sur elles. Comme quand Ulysse retrouve sa famille, moi j'aime retrouver mes amis à la rentrée ou quand je pars en colonie de vacances, j'aime retrouver mes amis après un an. Ça me donne de la nostalgie. J'ai une cousine qui habite très loin et quand je la vois, je suis super heureuse. Je me couche très tard avec elle pour aucun moment. Et quand elle part, on est toutes les deux tristes mais on s'écrit par message. C'est comme quand Ulysse revoit Pénélope. C'est quand je vais chez ma mamie. Je suis content de la retrouver et de passer du temps ensemble. C'est long d'attendre ce moment que Ulysse quand il revoit Pénélope. Je suis partie en voyage et quand je suis rentrée, j'étais contente car j'ai retrouvé ma chambre, mon chien, ma console et mes copains. Mon papy habite à Montpellier et je le vois qu'une semaine en été par an. Et quand je le vois, je suis trop contente car il a une piscine énorme et une super maison. Mais par contre, une semaine, ça passe trop vite et je suis tellement heureuse de le revoir que je le saute dans les bras. Je n'ai pas vu ma marraine depuis 2 ans et demi et je l'ai enfin vue. Quand j'avais 3 ans, mes parents ont divorcé. L'été, je pars 1 mois chez mon papa et 1 mois chez ma maman. C'est long et à la fin du mois, je suis contente de retrouver mon deuxième parent. Un jour, je suis partie une semaine avec que mon petit frère au ski et j'étais contente de retourner chez moi. Avant, j'habitais en région parisienne et ma meilleure amie habite toujours là-bas et je la vois une fois par an. Quand on se retrouve, on est très heureuse. À chaque fois, je suis heureux d'aller chez mes grands-parents qui habitent dans un autre pays et j'y vais tous les 2 ans, en Arménie. J'habite très loin de mes cousins. Il y en a qui habitent dans les Pyrénées, en Suisse, à Amiens et je les vois une fois par an et je suis très contente quand je les vois.
Avec mon frère Mathéo, on se dispute beaucoup, mais mon moment préféré, c'est quand on se réconcilie. Mon frère essaye souvent de m'énerver et souvent, il m'énerve. On se dispute, mais une minute après, on se réconcilie. On le dispute presque tout le temps avec mon frère et on se réconcilie toujours lorsqu'on l'un de nous deux fait une blague. Je préfère qu'on se réconcilie. Avec mon frère Mathéo, on se dispute beaucoup, mais mon moment préféré, c'est quand on se réconcilie. Mon frère essaye souvent de m'énerver et souvent, il m'énerve. On se dispute, mais une minute après, on se réconcilie. On le dispute presque tout le temps avec mon frère et on se réconcilie toujours lorsque l'un de nous deux fait une blague. Je préfère qu'on se réconcilie. Comment faire la paix? Comment se réconcilier? Comment se réconcilier? Comment faire un pas vers les... Comment faire la paix? Comment faire un pas vers les autres? Zeus a dit: seule la paix peut apporter aux humains la prospérité. Seule la paix peut apporter aux humains la prospérité. Aux humains la prospérité. Seule la paix peut apporter aux humains la prospérité. Seule la paix peut apporter aux humains la prospérité. Seule la paix peut apporter aux humains la prospérité. Tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux. Fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux.